Elisabeth Toulet, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions L'Harmattan, dans la collection Éthique en contexte de la Fondation au Stade des Laïcs, La beauté à la rencontre de l'éducation, Académie internationale de théâtre pour enfants. Alors ma première question concernera votre titre. Il interpelle la beauté à la rencontre de l'éducation. Pourquoi et comment rapprochez-vous ces deux mots, beauté et éducation ? Oui, ça ne tombe pas sous le sens, alors que pour moi c'est évident, mais j'ai longtemps parlé d'éducation artistique, et depuis quelques années je préfère parler d'éducation à la beauté et par la beauté, et c'est en fait le sujet du livre, parce que la beauté d'abord donne du sens, et d'autre part, la beauté est beaucoup plus large que l'art. La beauté, elle se trouve d'abord dans la nature, et c'est pas nous qui la créons. Donc, de fait, elle nous place devant une énigme, devant un mystère. Elle est absolument gratuite. Et en même temps, est-ce qu'on pourrait s'en passer ? Un jour, j'ai posé la question à un groupe de jeunes européens, des adolescents, et je leur ai demandé, pourriez-vous imaginer un monde sans beauté ? Et l'un d'eux a répondu, le seul d'ailleurs, mais c'était saisissant, oui, ce serait l'enfer. Et alors la beauté, elle est dans la nature, là où elle ne dépend absolument pas de nous. Elle est aussi, je pense, dans toute activité humaine, tout travail humain, dès qu'il est accompli avec art et avec amour. Et puis, elle est au cœur de chaque personne humaine. Et c'est celle-là, à mon avis, qui est la plus difficile à voir. Et ce que nous essayons d'apprendre aux enfants par le théâtre, c'est justement de voir cette beauté qui est présente en eux-mêmes et qui est présente dans chacun des autres enfants, quel qu'il soit. Et cette beauté-là, elle est souvent défigurée, elle est souvent abîmée, mais elle est. Et il faut faire en sorte qu'elle apparaisse, qu'elle se manifeste. Est-ce que vous considérez sérieusement qu'il peut y avoir un apprentissage de la beauté à l'école et pour tous les enfants ? Est-ce que l'apprentissage de la beauté et son expression ne sont pas principalement le lot des artistes ? Eh bien, je suis convaincue que tous les enfants sont capables de beauté et que tous les enfants sont sensibles à la beauté. Il suffit de regarder un petit garçon, une petite fille, tout petit, vous mettez de la musique, eh bien, ils vont danser. Vous vous promenez avec eux, ils vont s'extasier devant un brin d'herbe et tirer la manche de leur maman en leur disant « Maman, maman !» Enfin, ils ne savent déjà même pas parler et la maman est là, elle est obligée de rester, elle ne comprend pas pourquoi le bébé s'extasie. Mais il s'extasie. C'est-à-dire qu'il y a un sens esthétique qui est inné chez l'enfant. Et la seule chose, c'est que comme ce sens esthétique n'est pas encouragé, quand il n'est pas encouragé, il ne l'est guère à l'école, et quand il n'est pas encouragé dans le milieu et dans l'environnement de l'enfant, eh bien il s'éteint. Quand il est encouragé par un enseignant, quand il est encouragé par la famille, il demeure, et il se développe, et il s'épanouit. Mais alors, cette éducation à la beauté, qui peut la faire ? Est-ce possible pour des enseignants, des parents, des animateurs de le faire ? Faut-il remplacer, du coup, les enseignants par des artistes ? Il faut surtout dire et révéler d'abord aux enseignants eux-mêmes et aux parents et à tous les éducateurs qu'ils sont, comme le disait Yehudi Menuhin, le violoniste, qu'ils sont tous artistes, dans le sens où je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils sont tous capables de beauté. Ça devrait être l'objectif premier de la formation des maîtres et des professeurs. Et d'ailleurs, ayant fait cette expérience pour eux-mêmes, ils seraient beaucoup plus à même de collaborer avec d'autres artistes dont, je dirais, dont c'est le métier, c'est-à-dire qu'effectivement, on s'improvise, je dirais qu'on ne s'improvise pas metteur en scène, ça c'est clair. Hein. On ne s'improvise pas non plus formateur, mais il y a quand même une révélation à faire qui pourrait faire de nos écoles des lieux de création, parce que les professeurs ayant expérimenté qu'ils sont eux-mêmes, qu'ils ont une sensibilité esthétique, qu'ils ont des capacités d'expression artistique, ils pourraient les encourager beaucoup plus facilement chez les enfants, et ils pourraient collaborer avec des intervenants quand c'est nécessaire.
Vous parlez dans votre livre de l'Académie internationale de théâtre pour enfants que vous avez créée en 1986. Alors, la troisième partie du livre est d'ailleurs consacrée à des interviews d'enfants qui ont participé à cette académie. Pouvez-vous nous en parler ? Oui, j'ai voulu donner la parole aux enfants parce que je voulais comprendre qu'est-ce qui les rendait si heureux. Et notamment, un jour, j'ai entendu un petit garçon, après un stage de 3 semaines de création théâtrale, il n'avait pas revu ses parents donc pendant 3 semaines, et à la fin du spectacle qui clôturait le stage, il s'est jeté dans les bras de sa maman en sortant de scène et il lui a dit « Maman, je n'ai jamais été aussi heureux ». Alors j'ai voulu essayer de comprendre un peu plus d'où venait la joie des enfants. Et pour ça, c'est eux que j'ai interrogés pour savoir qu'est-ce qui se passait pour eux sur scène. Et alors ? Eh bien, les enfants sont extrêmement sensibles aux conditions que nous réunissons pour leur permettre de monter sur scène. Et la première, c'est le climat de confiance que nous instaurons dès les premières minutes et que, sur lequel nous sommes très vigilants. Il y a une règle du jeu à l'académie, ici on ne se moque pas. Ça c'est très important, il y a la bienveillance des adultes, il y a ce climat de bienveillance mutuelle. Mais l'essentiel, c'est bien ce qui se passe sur scène pour eux. Alors je vais vous poser une question. Dans mes interviews, il y a eu un mot qui est revenu de façon, avec une fréquence qui m'a stupéfaite dans la bouche des enfants quand ils parlaient du théâtre. Il y a un mot, sous forme de mot ou sous forme de verbe qu'ils ont utilisé, mais tous ceux que j'ai pu interroger. Je dirais « jeu » ou « jouer ». Eh bien non, c'est « travail ». C'est « travail ». Alors ils vont dire aussi que ce travail est un jeu, mais ils le disent ensuite. Et ce travail, c'est un travail qui est difficile, qui est exigeant, qui peut être décourageant parfois, qui exige de concentration, persévérance, donc courage, confiance en eux, etc., etc. Donc c'est un travail difficile et c'est un travail qu'ils aiment, alors que certains d'entre eux ont énormément de difficultés à l'école. Et je pense que si ce travail qui est si difficile, ils l'aiment, c'est que c'est un vrai travail. Dans un sens, c'est un travail qui leur permet d'exprimer réellement qui ils sont. Et je vous donne en exemple une phrase d'une enfant de 10 ans qui me disait, en parlant de l'académie, je lui parlais de l'académie, elle me disait « je fais du théâtre à l'école mais ça ne me plaît pas ». Pourquoi, lui disais-je ? Ben parce qu'on me dit de me mettre là et moi je ne comprends pas pourquoi on doit me mettre là. Je lui dis « mais pourtant le metteur en scène aussi à l'académie te donne des indications, il te dit tu vas sortir à cours ou tu vas rentrer à jardin ». Et elle me dit « ah oui mais c'est pas pareil, parce qu'à l'académie, on me demande toujours de partir de moi ».